C'est au zéro, Douag. À ta droite, Doc. À ta droite, derrière toi. C'est une arme de merde. Ok, on l'a eu. Oh, Douag, la fraude. J'ai que 5 balles, les gars. Mais je tiens à dire que Douag, monsieur, quand t'es resté au 3ème étage où il y avait fun party au zéro, quand t'étais au 3ème, les viewers. Descends, gros. Famille, qui est le fautif? On va le savoir ce soir, mesdames et messieurs. Vous voyez, Camille est au premier plan, elle est prête, vous êtes prêts, on est prêts. J'espère que vous êtes chaud bouillant pour une nouvelle soirée sur Warzone en plus de ça. Et Gota, tu l'as bonjour dit à là, tous. Grosse line-up ce soir. Hein. Très grosse line-up et en plus, les lobbies vont être très durs, on est parti pour un fautif. Qui est le fautif? Bon, vous le savez, qui est le fautif, c'est simple, hein, le but étant d'être l'allié le plus parfait possible pour justement permettre à ton équipe d'aller le plus loin et pourquoi pas même aller chercher le top 1. Mais avant ça, on va présenter nos deux invités, on a entendu chaud, mais on a Zach Nani qui est avec nous, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, ici, au loco. Très heureux, je les ai découverts ce soir, ça fait plaisir d'être avec vous. Ça fait 2 mois que j'ai pas joué, donc on est sur vraiment... Ce soir, je pense que ça va aller, je suis chaud. Toi, t'as joué, toi, hier, avant-hier, je te vois, il y a un but précis, si ce n'est évidemment déjà, ton amour pour Activision. Tu as bien repéré les hashtags. Je suis rappelé d'un truc. En fait, je t'explique, j'ai envie de faire la Zilane, donc on annonce sûrement demain... Le troisième. Et du coup, en fait, moi, j'avais accepté un contrat avec Activision, très très bien, parce que c'est trop cool d'être payé pour jouer un jeu où tu as passé toute ta vie. Où je vais faire un nombre d'heures dans le mois de mars. D'accord. Sauf que bah du coup moi j'ai envie de traîner Only Zilane, tu vois, le mois de mars. Ça s'entend. Donc du coup là je suis en mode let's go rush toutes les heures. Ah, t'es clavé souris, Zach. Ouais, je suis clavé souris. Ouais. Toi ça se voit, tu m'as pas suivi toi. Mais Miss il joue aussi clavé souris, mais quand il va sur Warzone, gros, il est en mode clavé souris. La manette c'est. Mais franchement, je ne joue plus à manette depuis longtemps. J'ai rejoué à la manette genre l'année dernière dès que j'avais un truc à faire avec Sony, envie de me flinguer. Ah, t'y arrivais plus? J'aime plus. J'aime plus du tout. En fait, quand tu commences à te familiariser avec le clavier souris, la fluidité et tout ça. Ouais, c'est ça, tu vois. Genre moi franchement, j'aime bien. D'ailleurs, Zach, félicitations. J'ai oublié de te le dire. Que se passe-t-il? Ah, il se met déjà dans pour le demi. Pour le demi. Le demi-million. Le demi-million d'abonnés. Oui. Oh, bah, si on suit. Effectivement. 503 000, je crois. Ouais, 503 000. Ouais. Merci beaucoup. Merci. C'est marrant. Je crois que j'ai mis autant de temps pour faire de 0 à 400K que de 400 à 500. Tu vois. Ouais, mais au moins ton chemin de 400 à 500, tu t'es cherché, tu t'es trouvé. Ah, demi-million. Là, t'as plein de formats qui sont lancés et qui cartonnent bien. Donc en fait, ça a été le moment où t'as dû structurer, je pense. Ouais. Non, mais ça va beaucoup mieux, tu vois, parce que maintenant, genre, j'ai une équipe autour de moi, j'ai un mec à l'édito, j'ai vraiment 5-6 mecs qui travaillent avec moi et ça va beaucoup mieux, tu vois, pour les émissions, pour Zach en roue libre et tout. Donc on produit du lourd, c'est très bien. Demain en plus je reçois Julien Febro et tout, tu vois, donc lourd. Ouais, ce que tu fais en ce moment, vraiment super. Et je me suis totalement détaché de Call of Duty, tu vois. Donc quand on m'a dit viens faire qui est fautif avec Call of Duty, je fais bon vas-y, c'est ça, rappelle les frères et tout. Oui. Bah oui, ça fait super plaisir, mais c'est vrai que je suis beaucoup moins gaming. Après j'en fais, tu vois, sur mon stream, mais là à l'heure actuelle, tu vois, ça fonctionne. Ma vidéo la plus vue sur ma chaîne, je crois, c'est toujours le 1v1 contre Titoon. Je sais. Tu l'as revu la vidéo ou pas? Je l'ai revu. Oh, mais je suis trop fort en oscope. Est-ce que j'ai vraiment besoin de viser? Exceptionnel. Il se branle dessus pour l'époque. Franchement, il est comme ça en mode regarde comme j'étais. En vrai, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Regardez comme j'étais connu. C'est même pas ça. Rigole. Avec Gota, à l'époque sur Black Ops 3, on faisait des fois des 1v1. On a fait des 1v1, on se mettait des passages sur la gueule. On allait jouer avec un Marshall 16 et tout. Et franchement, je tiens à dire, pour avoir revu ces vidéos là, ça c'était du divertissement. C'était trop bien. Franchement, ça c'était du divertissement. Mais moi, je suis mort de radar. Je suis en train de manger ma danette. Ce que je mange là, c'est. Tu mangeais un Mont Blanc. Là carrément ton contenu, tu t'es trouvé. Il y a les vlogs bien sûr, Loop qui cartonne bien. Même sur YouTube tu choisis des thématiques. Ouais, c'est ça, t'intéresses la culture internet. Et là cette semaine on va faire une émission, on va refaire l'histoire de l'esport Call of Duty. J'ai Brox, j'ai Lolo et du coup j'ai Zyler et c'est cool, ça fait plaisir. Faut ramener les mouchoirs là. Ah gros, franchement on va se le faire en gros année par année, tu vois, en parlant de eux, comment ils l'ont vécu dans différentes équipes, petite anecdote, petit truc, tu vois, une équipe, enfin tu sais, une émission, tu prends le temps de faire les choses. Et puis voilà, j'aime bien, tu sais, j'ai mon local et tout. Non, on essaye de se faire, tu sais, d'avancer tranquillement. Franchement, après 7 ans que tu fais du contenu, juste réussir à faire des petits trucs qui plaisent, avoir des gens qui te suivent, c'est trop cool. Et te faire kiffer aussi. Ouais, kiffer au bout de 7 ans, c'est cool. Ouais, je me prends 100 fois moins la tête qu'avant. Je rebondis parce que je suis machin, toi aussi, ça a été une année où t'as dû te structurer, c'est ça qui est fou. Il y a un vrai point commun entre vous deux, même si vous avez pas la même XP en termes d'années, c'est-à-dire que toi, t'as eu quand même le temps d'apprendre avec Eclipse, etc. Alors que toi, on le sait, t'as fait le chemin avec H1Z1 un peu tout seul en ton coin. Ça a monté. Il n'empêche qu'à un moment ou un autre, on est obligé de faire confiance, on est obligé de s'entendre. C'est quoi, il vient, on en parle. Pareil que Zach, ça a été pour pouvoir avancer tranquille. Rester focus sur tes objectifs. Ouais, exactement. T'as de plus en plus de demandes, d'invités, de trucs. Donc c'est vrai, il y a ça aussi. T'es obligé de t'entourer, même si tu veux. J'ai vu en ce moment, tu joues avec Mastu et tout là. Ouais. Avec Linka et Akian. Je les kiffe trop. Ils sont trop. Ça se voit qu'ils sont trop chill. Soon, apparemment, je vais faire de la cuisine avec eux. Tu vois, j'ai envie de développer le YouTube cette année, donc on va se battre pour ça. C'est bien. Ouais, t'es organisé. Ouais. T'as déjà fait un Zach en roue libre avec Chou? Ouais, mec. Cette année. J'ai pas vu, désolé. Juste avant le Z Event, je suis arrivé 15 secondes avant la fin de son compte à rebours. C'était trop drôle. Incroyable. Il est arrivé genre. Mais cette année j'ai fait chaud, j'ai fait Karim, là il y a 2 semaines, j'ai fait Skyros. Donc on a refait un peu du classique, tu vois. Ouais, genre, le V12. Là t'as rien dit toi, par rapport à ce qu'il a dit Karim. Hein?
T'as pas regardé ? Je l'ai pas dit toi ? Il a dit quoi ? Il parle de Gotha à un moment dans la vidéo. Non mais y a aucune embrouille. Il parlait de l'époque où quand vous aviez commencé, genre les cavernes de Monsieur le V12, t'arrivais, t'allais dedans, tout ça. C'était un peu son fanboy quoi. Pas fanboy, mais. Ouah, Doig, franchement, tu tires par les cheveux là, frère. Hein. Non, archi pas ce qu'il a dit. Il veut qu'il y ait une embrouille. Oh, mais toi, mais c'est un fouille. T'as vu que mais Zach, t'as changé. Avant, tu me suivais aveuglément, tu rentrais dans le jeu. Là, il est en full protection de son émission. Il est en mode, attends, moi, y'a pas de drama, c'est bon. Non, même pas, c'est que t'as devant toi un homme apaisé. Problème, il est non, mais non, là-bas, non, là-bas. Non, mais toi, le fautif, ça va être pareil. Des problèmes, les gars. Non, je rigole. En plus, je croyais que tu voulais le recevoir, toi, ici sur. Bonjour, ça voulait faire une soirée un des anciens. Un master kill ou même un fautif avec lui, voir un peu comment il se débrouille dans ce registre-là, parce que bah c'est vrai que vous avez lancé un peu Call of Duty cette génération-là ensemble. Tu regardais, tu consommais, tu jouais à cette époque-là. Mais pas du tout. Les modes deathmatch un peu comme ça que vous avez kiffé de ouf. Moi, cette période-là, c'était Counter Strike sur. Ah, j'ai pas connu l'âge d'or de. Même la Ligue, bordel. Pas connu. Mais t'as raté la Ligue Black Ops 2 ou la Ligue Advance Warfare. Il y a Lohan qui a raconté toute l'histoire un peu derrière l'e-sport et tout. Il y a plein d'anciennes vidéos qui repop de vous en train de vous engueuler avec d'autres gars et tout. Reviens-moi encore ! Reviens-moi ! T'es toujours envoyé chez vous ! C'est incroyable. Ah ouais, c'est pour grand lan, je vais regarder ce que tu vas faire. Ça va être incroyable. On est là, gros. Je disais donc, toi, t'as forcément ta loupe, donc une émission en plateau. Ouais. Ça te manquait, j'avais l'impression, cette capacité. Tu me dis même Popcorn, t'aimais bien arriver un petit peu en chroniqueur. T'aimes bien ce genre de c'est super. Moi, j'ai beaucoup de rediffs de Popcorn. Ouais. T'apprends tout par cœur et tout. C'est beau quand tu le dis. C'est fluide et tout. Ça sort. Il n'y a pas vraiment de lecture de texte. C'est trop bien. J'aime bien, tu vois, les émissions plateau comme ça où tu viens, tu peux parler de différents sujets. Parce qu'en plus, j'aime beaucoup lire, tu vois. Donc, quand il y a des sujets même d'actu, en général, quand j'arrive sur Popcorn, j'ai au moins toujours quelque chose un peu à dire, à apporter. Et puis après, si j'ai rien à dire, j'évite de parler pour parler, ça sert à rien, tu vois. Du coup, t'as voulu te tester au rôle carrément maintenant du host, parce que ouais, c'est ton émission, c'est toi qui la porte, ça s'appelle Loop. On a retapé le décor et tout en plus récemment. C'est canon, donc, très c'est, cool. C'est impeccable, mais du coup, ouais, t'avais vraiment aussi cette envie de toi leader les débats faire parler les autres. Je voulais produire à Lyon. Ouais, franchement, je voulais produire à Lyon dans ma ville, tu vois. Okay. Avoir mon local et que ce soit les Parisiens qui prennent le train, tu vois. Bref. En vrai, vraie victoire. En vrai, vraie victoire. C'est la ville qui a perdu contre mon TQ, c'est ça ? Ouais, contre mon cul, ouais, c'est okay. Ça. Dans un petit sondage biaisé. Non, je rigole. Mais en réalité, si. C'est total. Moi, je le dis, qu'est-ce qu'il y a ? Sondage biaisé, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hey, monsieur dit défaite. On aurait pu avoir une finale La Rochelle-Lyon, ça aurait pu être épique. Voilà. Vous avez tout niqué. Je suis d'accord, entre deux belles villes prestigieuses. En réalité, ouais, je voulais produire à Lyon, tu vois. Parce que je me dis, pour que tout commence à petit à petit peut-être se décentraliser de Paris et qu'il commence à avoir des initiatives ailleurs, faut qu'il y ait des gens qui commencent à créer des choses ailleurs. Donc des émissions, des formats, des events, en fait. Un peu dans le sud. C'est ça, exactement. Tout le monde doit être à Paris, c'est autoréalisateur parce qu'en fait, vu que tout le monde dit qu'il faut tout le temps être pas à Paris, bah tout le monde va à Paris et vu que tout le monde est déjà à Paris, bah tout se fait à Paris, tu vois. C'est un cercle. Et si tu veux briser le cercle, faut commencer à faire des choses un peu ailleurs et c'est ce que j'essaye de faire. Je t'ai invité pour Loop à Paris vendredi, t'es pas venu. Hein. Aïe! Les dossiers! Du coup, les gars, le VPN, est-ce qu'il remarche là? Les gars, ma soeur, comment? Après, vendredi, c'est le coup, t'avais le truc qui est important. Non, exactement. Ça va, je voulais envoyer le scud, c'était pour envoyer. Il a mis les trucs en vendredi. Non, en vrai, en dehors de la vanne pour ça. C'est très longtemps qu'on n'a pas fait de resto d'heure. C'est ce qu'on disait quand en haut là. On va s'en faire un bientôt, y a pas de soucis. Mais en réalité, le seul truc, c'est que maintenant, je le fais plus moi-même parce que j'ai pris un chef de projet, mais aller inviter des gens. Ah, c'est un enfer. Qu'est-ce que c'est chiant. Franchement, qu'est-ce que c'est chiant de devoir envoyer des mails, des messages, des trucs. Est-ce que tu veux venir? Il faut une fait le rôle de Elise, donc ça a beaucoup mieux, mais quand je le faisais moi-même, au bout d'un moment, j'avais envie de canner, sérieux. On m'a dit que c'était bon, on m'a dit qu'on pouvait lancer, mesdames et messieurs. Première game jack de Fautif, ça compte direct. Il faut expliquer un petit peu comment ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que là, les gars, ça va être vraiment le pouvoir de l'amitié. Ouais. Doig arrive en retard, je les ai déjà prévenu pendant que t'étais pas là, tu vas être une pute. Non, moi ce soir, j'ai décidé d'être justement le. Il m'a dit, jusqu'à mon c'est premier. C'est marrant coup... que tous les lundis, c'est le changement. Non, mais là, c'est le vrai changement. C'est vrai. En fait, c'est la line-up, tout me pousse à amener cette saison de positive. Et puis moi aussi, comme Zach, j'ai mûri, j'ai grandi, il y a des choses qui passent dans mon côté. Les paroles ressortent tellement faux. J'ai pas c'est ça ressort tellement jusqu'à faux. Mon premier coup de pute, je serais parfait. Explique, il y a une urne là-bas où il y a à peu près une quinzaine de, tu vois, tout ce qui est en rouge. Ouais. Là, je vous montre vite fait à la cam. Tout ce qui est en rouge, c'est des malus. Tout ce qui est en vert, c'est des bonus. Et du coup, ça se fera à chaque game. Et du coup, on devra, nous, avec les petits noms, tu vas regarder, là, on a les petits trucs avec les petits noms. Et on verra qui est le fautif. Donc, faut essayer d'être le maximum objectif. Faut faire en fonction du niveau de chacun. C'est pas parce que, par exemple, moi j'ai 10 kills et Doig il en a qu'un que c'est forcément lui le fautif. Faut faire en fonction de chacun. Tu vois. Si Chou il fait pas 20 kills, pour moi, instant fautif. Bah oui. Au moins. Il a failli raccrocher tout ça. Le French Monster, tu peux pas dire ça. Le chat aussi joue, compte comme une. Bien sûr, le chat va pouvoir voter comme d'habitude. On vous laisse le pouvoir dans cette émission. Est-ce que les lundis t'es en retard ou c'était exceptionnel, genre aujourd'hui? Non, c'était pour gagner une souris. s'il y a pas de cadeau, je serais venu à l'heure. C'est vrai que les gars, sur Gotaga TV, sur Twitter, si jamais. Il y a un gars qui avait mis 21. Il y a un gars qui a dit je parie que Doig arrive à 21-9, du coup, il a gagné une souris. Quoi? Ouais, ouais. Il est vraiment arrivé à 21-9. Qui a dit 21-9. Je n'étais pas pressé, tu vois. Je me disais, Zach et Chou, ils peuvent attendre. Hein. Leur carrière a bien attendu 20 ans avant de démarrer. C'est pas 5 minutes.
Oh le mec. Ah. C'est pas à 5 minutes près, tu vois. Là, les gars, vous dites rien. Le mérite de monter seul n'a pas de prix. C'est vrai. Pourquoi tu mets une ambiance palpable comme ça là? Mais du coup, ça fait quoi de monter seul? Parce que moi, je connais pas trop. Tu t'es. Ah, oh, fais pas celui qui a été PL. J'ai pas envie d'être désagréable avec toi, Douaga. Je vois en fait à quel moment ce gars-là va devenir méchant. C'est avec. Il y a du respect, il y a rien, mais j'ai envie de le piquer chaud. Non, moi je t'aime bien. Mais tu ne craqueras jamais. Yeah. Je suis vraiment inquiet. Oh bah, je suis mort. Waouh, c'est quoi? Moi, je suis allé dans le trou. Je suis dans le trou avec vous, les gars. Je suis dans le trou aussi. Putain, Zach, t'es mort devant moi. C'est la crise dans le trou. Hein. Oh non, j'en ai mis un à terre, j'en ai fini un, mais les dégâts de la Betty m'ont. J'avais une série. Viens m'aider, Doig, on sort de là. Très bon call ça, ouais, les gars, je peux venir. Doig, viens m'aider. Je t'avais demandé de l'aide, Doigby. J'ai essayé, j'étais dans l'ascenseur. Non, mais ça sert à rien de bégayer, tu m'as laissé. Non, j'étais vraiment. Il était sur l'échelle, il a pas osé monter, il a pas. Je suis mort, les gars. Je vous demande où je peux aller, vous me répondez pas, les gars, je suis mort. Il répond pas. Il y a toute une squad sur le top. Mais c'est à toi de te répondre, moi je suis mort. Il m'a abandonné. Il a abandonné l'équipe. Assez, ouais, puis moi un shop. Je t'ai pingé le shop déjà à ta gauche. J'écoute celui de show. Je réanime show, non? En vrai, les gars. Mais les, en plus, t'as dit que t'écoutes celui de show, t'es allé à mon ping, espèce de petit bâtard. Très bon réflexe, ça se voit que c'est un mec qui fait beaucoup ça. Chauffez le reste maintenant. Jouez votre game à deux, on reviendra plus tard, vous inquiétez pas. Si on voit des choses, on vous les call avec Zach. Et c'est pas mal pour arriver avec des armes pour te battre directement au screen show. De notre spawn. Non, mais sinon, et tu sais quoi, prochaine game, tu es les in-game. Quel enfer. Oh! Ah, les frères m'ont amené au charbac. Ramène quelqu'un. Vite, appuie les APM. J'ai réussi. Encore moi? Mais gros, on dirait que j'ai eu un choix là. Non. Non, j'ai pas réussi à partir, les gars. J'ai pas du tout réussi à partir. Mais écoute, ça va être vite fait. Doig, il y a un petit 0 kill, 200 de dégâts. Nani, malheureusement. Oh, le stinger, j'ai servi à rien du tout. Et puis là, va falloir causer, les gars. Là, il va y avoir causette. Qui prend la main? Est-ce que celui qui a choisi le spawn? Je prends mes responsabilités, donc peut-être my bad. Le spawn est peut-être pas fou. Je pense que le spawn est très risqué. Très peu de personnes. Ça, c'est mal analysé. Non, mais pique, dans tous les cas, on fait du show. Donc faut aller à un spawn où il y a quand même du kill. Je tiens à apporter le point de vue de quelqu'un qui a pas fait grand chose à cette game. Mec, t'as pas fait grand chose. Vous savez, la vie et Call of Duty, des fois ça va très vite. Je suis arrivé au spawn en suivant show, je me suis fait carton direct, même pas eu l'occasion de tirer une balle. J'arrive au goulag, je prends un drop shot. Voilà l'histoire de ma vie. À côté de ça, je peux raconter l'histoire de la game d'autres personnes. Par exemple, Doig, tu vois, qui arrive, qui fait 200 de dégâts, palmarès a servi à pas grand chose. Et après, derrière, on t'a mis un petit spawn avec une loupe. Et qu'est-ce que t'as fait avec ta voiture? T'as fait 14 fois le tour parce que t'as perdu tes couilles au moment de regagner des mètres. Quand t'es arrivé, il y avait déjà 3 bonhommes, t'as spawn 2 fois le même gars qui est mort en chaîne. Alors ok, l'histoire de ma game fut bref, certes, parce que je n'ai pas eu l'occasion de faire grand chose. Disons que le temps de jeu qui t'a été accordé n'a pas servi forcément à bien plus. Je peux comprendre la tentative de défense et je t'en tiendrai par rigueur pour la suite de la soirée, mon cher Zach. Mais c'est une escroquerie, on assiste à une escroquerie, pourquoi? Effectivement, je rentre toujours un peu moins bien que vous, je l'admets, mais on l'a dit, chacun joue avec ses qualités. En fait, tout aurait pu changer à ce moment-là, par exemple, tu sais, quand je suis monté, tu le tombais, on pouvait donner l'info à Gotaga, on gagnait la game. Ça aurait pu se jouer là aussi. Je suis d'accord, tu suis pas à l'échelle, tu casses ta voiture, déjà, faut qu'on vote nous, je crois qu'après, il va y avoir les votes du chat, il y a la régie en cas d'égalité qui va venir aussi. C'est ça, et en même temps, le perdant aura potentiellement soit un malus, soit un bonus pour la game suivante, mais surtout un point de fautif, ce qui le mettra déjà à mal. Moi, je pense qu'on est prêt à voter. Hein. Je commence avant, voilà, je vais prendre mes responsabilités. Je vais mettre mon premier nom. Qu'est-ce qu'il branle? Mais non. Mais si. Mais ça va voter là-bas, ouais. Comme tu crois que c'est anonyme? Toi, Gbi. Tu vas t'afficher ici. Oh, la caméra, elle est là. Oh, regarde en face de toi. 3. J'ai joué ma game pour toi. C'est moi le fautif. Allez, Zach, pas un truc trop sale. Après, ça va, c'est des trucs... pas un truc trop sale, tu mérites. Oh, c'est un malus. Oui, bah... 16 malus, 3 bonus. Vraiment. Je n'ai pas le droit d'être animé par terre à la prochaine game. Que au shop. C'est terrible, en vrai. Ah, mais il te faut une autoréa. Il va me falloir une autoréa. Mais on va essayer de jouer autour de ça. Les amis, je peux dire un truc ou pas? Un vrai truc, maintenant que les votes ils sont passés et tout, vas-y, on va parler sérieux. Monsieur Warzone, champion d'Europe, là, t'as eu 3-4 vies, t'as rien fait. Putain, mais enfin bon. Mais la tête de ma mère, que si on s'était parlé avant, c'est lui qui faisait votif. Le mec, mais je suis totalement d'accord. Eh, moi, j'arrive, j'ai une vie, j'ai servi à rien. Gros, t'as fait 3-4 vies. Mais c'est tellement réel. Voilà, c'est bon, je te dis à vérité. Mais il a raison. Et par contre, Zach, ça sent le seum là. Non, non. Autant, toi que je le déteste. Mais je fais avec des moyens. Autant, tu sais que je t'aime bien. Objectivement, quand je suis retombé, j'ai tenté de prendre les armes et j'ai perdu moins 1 contre 3. Je serai meilleur la prochaine fois, excusez-moi pour cette première partie. Ok, je propose un spawn factory. Factor, il y a du monde. Ouais, non, ils m'ont attendu direct les débuts. Un autre à terre, fais gaffe à ta droite quand tu rentres. Knock à la roquette. C'est ça que je vais essayer de te sauver. J'ai le malus. Venez avec moi par la droite, les gars. J'ai besoin de vous. D'ailleurs, les gars, je demande. Là, c'est pas pour toi d'aller tout seul. Il est dans le bâtiment. Il y en a à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Ah oui, en fait. Oh, il a un glitch. Oh, le bâtard. Ah, Gotha GL. Vas-y, on y va. On l'aide. J'ai pas envie qu'on ait. Non, sûr, on peut l'aider. Dans le bâtiment, il est au loup.
GG. Il sort, hein, qui sort. Ah. C'est au zéro, Doug. À ta droite, Doug. À ta droite, derrière toi. C'est une arme de merde. Ok, on l'a eu. Ouais, mais il y a trop de gens. Non, mais Doug, la fraude. J'ai que 5 balles, les gars. En gros, ça se fightait au zéro, lui était au troisième étage. Je lui dis, mais gros, c'est au zéro. Et il est descendu, il s'est fait cartonner. Gros, t'es pas allé aider chaud un instant. Mais c'est normal, je pense que c'est pas une bonne idée d'y aller, gros. Bah non, mais fallait y aller au début quand il avait besoin d'être. Non, je pense qu'il aurait dû venir toi avec moi. Non, et on joue. Franchement, en toute objectivité, c'est 100% ta faute. J'ai demandé tout à l'heure qui je ranime. Zach a dit, ranime-moi et vous avez pas. Vas-y, bah ranime Zach alors. Franchement, si Zach il le sent, c'est un mec qui a de l'instinct. It's my time, boy. Putain, ils sont plusieurs. Je descends. Ok, j'en ai break un. Ok. Oh, Zach. Nice, Zach. Oh, trop bien joué, les gars. J'ai l'équipe. Attends. Oh non. Ah, mais je crois que c'était à moi. C'est le deuxième qui a une balle, si jamais tu le tues, lui. Oh, tiens, t'as plus de balles, frérot. Oh, nice. Par toi, y'a un mec qui rentre, je crois, encore. Zach qui est en train de réaliser l'exploit avec 17 000 $. Ah, il a super bien joué, le Zach. Hein. Mais oui, il est monstrueux et il réanime tout le monde. Le deuxième gros, je sais pas comment t'as fait pour le tuer, mais tu l'as outgunné. Frérot. Waouh. Ouais, je drop avec vous. Non, mais il campe les deux maisons. Oh, à terre, j'ai mis une tête. Super. Derrière moi, il arrache. Je suis avec toi, regarde. Magnifique, tu es. Bon, maman, bien joué, bien joué. Remets-toi des plaques. Je me mets à couvert. On peut gagner en vrai, il reste 28 mecs et tout. On peut être sur une game qui est quasiment correcte. J'achète un drone, les gars, pour le late game. J'arrive avec toi. Sud-ouest. Venez, on va avec Sud-ouest. Venez, on va aider. Ah, je dans dos, dans dos. Les gars, venez, on va aider. Je vais mourir, j'ai tombé. Dans le bac, effectivement. Il y a full mec sur toi, Gota, t'es dans la merde. Je mange. C'est pas la même team, hein. C'est 2-2-2. Zach, 2-2. Attends, me ping. Mais frère, y'a trop, frère. Ouais, lâchez-moi, frère. Ils ont full vision sur les mecs qui me back ça. Ça me tire derrière, chaud. Je suis dans la merde. Je suis là, ma poule. Je vous ai ping avant la position du sniper. Crack. Nice, chaud. Essaye de le finir. Nice, chaud. J'avais touché un break. Ouais, à terre. À terre. Zach, Lani et Cho Hach. Heureusement qu'il y a des mécaniques de police. La vitesse de jeu de Cho Hach. Les gars, on a oublié un petit détail. Oui, le malus aux F. On en parle après. C'est sur moi. Oh non. Putain. Devant 3 mecs, ça fusille les fenêtres. Et Zach, Lani qui vient le bac. Bien joué, Zach. Magnifique. T'es 1 contre 3. Si tu viens de mon côté, frérot, tu peux même réanimer. T'es 1v3. Dommage, gros. Dommage. Eh. Il a rien à se reprocher, Zach, mesdames et messieurs. T'as trop bien joué ce game. Zach Lani a fait une game extraordinaire. Oh, ça si suffit pas. Malheureusement, il a un truc à se reprocher, les amis. Chaud, t'as réanimé alors que tu n'avais pas le droit. Ah ouais, merde. J'ai complètement oublié en plus. On a tous zappé. Hein. Ouais, on a pour tous sa, sa défense, ouais. on a après, tous zappé. Après, c'est son malus, ça lui de s'en souvenir. Ouais. C'était parfait sans cette erreur, mais on n'oubliera pas le gameplay. Parce que franchement, même jusqu'à avant cette erreur, je pense que j'étais quand même bien. J'ai sauvé la game plusieurs fois. Attends, ça fait de moi le fautif d'office. Le principe du fautif, c'est qui a foutu la game en l'air. Et bah, malus ou pas malus foiré, bah c'est pas moi. Et donc, du coup, on peut me rajouter un truc si vous voulez pour mon malus foiré, je suis d'accord, mais je ne suis pas responsable de la mauvaise tenue ça de cette game. Voilà. Et du coup, tu penses que qui est le responsable? Faut mettre des points sur les i, faut parler français. C'est pas méchant, mais c'est Doig, je pense. Quoi? Oui, mais si on fait comme ça, on le met toutes les bah games, oui, parce qu'il est mauvais. Juste moins expérimenté. Moins expérimenté. C'est une manière de le dire. En vrai, c'était pour tirer la balle pour rigoler. Il y en a un qui s'en sort beaucoup trop bien depuis ce début d'émission et je me permets de mettre une deuxième cartouche car une première cartouche a déjà été tirée. Enfin gros, tu touches pas aussi bien ici. Il y a un problème avec le setup, parle-nous. Wow. T'es bien avec ton souris, ta souris, ton clavier, ton tapis de souris gros. Je comprends ton point de vue. Après il faut savoir que dans le BR tu vois, il y a des games où tu meurs, tu vas au goulag. Je suis revenu, en revenant j'ai pris une tête au snipe. Il me réanime, je reviens, je reprends une tête au snipe. La seule fois où j'ai pu racheter mon loadout, en l'espace de 15 secondes j'ai fait autant de kills que toi dans 3 games. Il est vrai que t'as... j'ai pas aimé quand même la formulation là, je sens que c'est pas grave. Elle était visée. Je vais passer au-dessus de ça. Mais je tiens à dire que Doig, monsieur, quand t'es resté au troisième étage où il y avait fun party au zéro, mais déjà quand t'étais au troisième les comme ça. Les viewers. J'étais là. Après, descends gros. Quelques minutes après, j'ai pu voir la situation inverse avec toi dans cette arrivée et au gun, tu viens. Parce que à l'inverse, je suis allé aider Gota, gun ou pas, il m'a dit vrai, derrière en English, gros. J'ai vu. Pour moi, c'est comme ça que ça se joue les jeux vidéo. Quand t'es avec tes potes, même si le call est peut-être pas ouf, si vous êtes en groupe, pour que ça puisse fonctionner, faut qu'on y aille tous. Au moment où les mecs y vont pas. Ça. Des fois, il y a des calls qui sont peut-être pas bons, genre un call nash, mais il faut que tout le monde le fasse. Suivi, il pas est... faire. Ok, j'entends. On sait que des fois, il y a des bonnes et des mauvaises games, mais celui qui, unanimement, chaque game nous tire vers le bas, c'est Doig B. C'est même pas une question d'être bon ou pas, c'est, mais laisse-moi sans c'est d'avoir du courage, de l'amitié, suivre ses amis lors des combats. Votons.
Ah, c'est tombé sur chaud. Ok. Oh, 2-2. Et 63% le public. Ah là, ça me fait plaisir. Hein. Mais au moins. Le travail, les 20 subs. Ils sont là, les gars. Pour le défendre. Ils sont là, frérot. Du coup, je me remets mon malus pour cette game. Je pense, ouais. Je dois faire le spawn parachute avec les yeux fermés. Pour ceux qui votent, attention parce que vraiment, Dwag ne joue vraiment pas à Warzone. Le plus gros reproche, c'est par exemple, même si t'es nul ou quoi, de venir avec l'autre. Tu sais, quand on fait un call. Vraiment, si vous voulez, jugez-moi que sur ça. Et je remercie encore une fois Zach de m'avoir fait grandir en une game, plus que certains en plusieurs soirées de lundi. Donc, c'est moi que tu tires du coup. Là, tu viens de prendre une bastos. Wow. La régie me dit dans l'oreille par contre qu'on doit pas t'aider. Ah merde. Les gars, on va à Beach Head. Il comprend mon avis. Ouvre frérot. Ouf. Attends, mais sans le son, je peux pas atterrir au bon moment. C'est bon, t'es au spawn, tu peux jouer, Doc. Allez, bon courage. Hein. Frérot, mais qu'est-ce que je fais ici? Frérot, t'as atterri à pic. Mais gros, je suis dans le trou, je suis spawn godna. Meurs pas par contre, frérot. Il me focus moi, il fout le dégât à la gauche, frérot. Je suis solide, il est bouge pas, j'attends que tu décales. Ok, il est mort. Il est pas mort direct, Bien joué, les mecs. Un crack. Je sais pas par où on rentre, à part la fenêtre ou... Merde. Oh, l'autre crack devant toi. Zach, pour toi, un HP. Mort. Escalier. Mort. Dans le dos, ok. Go prendre le ballon, non? See you, bitch. Là, ça joue vraiment bien, j'adore. Fuck you, bitch. Ouais, j'ai vu, il campe. I'm dead, bitch. Sur la hauteur, les gars. Il est en haut? Il est, ouais. Dans le tunnel, tu lui as mis full headshot. À terre. Sur le top, il est weak, il a sauté. Là, en bas, break en bas. Est-ce que je peux retomber là où je suis mort pour prendre mes armes, les gars? Techniquement, oui. Oui. Ils sont pas ensemble. Il y en a qui a sauté. C'était un autre niveau. Ouais, il est break. Ouais, bien, bon call à terre. Oh, un autre qui me tire dessus en l'air. Mais oh là là, je l'ai démonté. Ouais, je le vois, il est à terre là. Bien, je m'en fais. En fait, il y en a deux qui sont partis et deux qui sont restés. Sur moi, contact. Contact avec moi. Ouais, mec. Mais ouais, mon pote. Oh, derrière moi. Quoi? Je l'ai weak, le gars derrière toi. Ah bah gros, il était pas weak du tout. J'ai givé parce que Zach il dit il est low. Ouais, mais je te jure que j'ai touché. Gros. Non mais dès que j'ai commencé à le fight, il avait juste perdu une plaque. En fait après c'est tic de langage de joueur code, tu vois. Oui. Quelqu'un c'est weak quoi, tu vois, c'est la com qui part. À ta gauche, tu l'as pas eu passer effectivement. Break. C'est le dernier de leur squad. Hein. Ah non, attends, c'est un autre mec, attention. Il est break. Il est mort, ouais. Non. Il tryhard de ouf. Bien joué là, faut y aller. Y'a pas moyen. Allez, c'est pour toi, mon Zach. Il a tenté, mais t'es au-dessus. Mets les plaques, mets les plaques. Allez, va au bout, mon gars, fais taire tout le monde. On a tous confiance en toi, Zach. Tu peux faire taire, mais soutenez le Zach. Bien joué, Zach. Let's go. Bien joué, frérot. Toujours 5 squats, donc il a un mec. Ah, tu l'as eu. En 2, gros kill. Bien joué. Allez, mon pote. Il est dans le gaz, il a le gaz qui push. Nice. Pas touché, gros. Il a gagné, il a trop bien joué. C'est un monstre. Ok, 3 squads, 6 joueurs. Zach Nani. T'es un V4. Oh, je suis dans la barbe à merde là. Allez, ça part, frérot. C'est le premier. Okay. Mais non. C'est possible, gros. Mesdames et messieurs. Force. Comment? 1v1. Ça fait plus de 10 ans qu'il vous fait rêver sur cette chaîne, Zach. Oh, tu as vu? Attends, ouais. Là, à gauche. Oui. Non. Oui. Oh putain. Allez ou pas? C'est pépère. Allez, mon ref. Non, dommage. T'as trop bien joué, frérot. T'as été excellent sur ton positionnement. Regarde derrière sa vie. T'as le 1v4, je les sors un après l'autre et tout. Ah, frérot. Oh, tellement dommage. Non. T'as été plus dur. De ouf. Une décision va devoir être prise. Moi, je reprends juste un call à Zach. Dis-moi. Qui a dit low. Et en plus, avec ouais, le délai, mais... du coup, je l'ai revu sur le live. Tu lui as mis une balle. Non, t'as raison. Moi, je venais de gagner mon duel. J'étais en mode, il l'a mis low. Vas-y, go finir le fight maintenant. Je suis même pas replaqué. Enfin, j'avais deux plaques, tu vois. J'ai jump. J'ai regardé avec quelqu'un. Il avait. Alors, t'as raison, mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le. En fait, c'est la com d'un joueur code de multi, quoi. C'est compliqué, là, en vrai. Normalement, c'est top 1 et on en parle même pas. C'est dur parce que je trouve que collectivement, on fait tous une bonne game ensemble. Ouais, je suis d'accord. Franchement, en vrai, en état objectif, c'est vrai que mon call fait perdre la game. Donc en réalité, ça me dérangerait pas d'être le fautif parce qu'en soi, vu que fautif, c'est faire perdre la game. Mais en fin de game, t'as été exceptionnel. Si on était juste t'as raté un erreur. T'as été brillant à la fin. C'est vrai, mais si je veux être objectif, c'est vrai que sur ce call, je fais perdre la game, je pense. Je prends au hasard, les gars. Vas-y, au hasard aussi. Oh, hey, frère, j'ai voté au hasard. Ah, pareil. Aïe. Oh, bah, c'est moi. Non, il y a égalité. J'ai le chat. La régie, est-ce qu'on peut vous entendre sur le stream et vous devez prendre une décision? Alors, d'après la régie, ce serait Dwagby. Bon, en tout cas, je perds mon malus. Tu perds ton malus aussi. Ça va te libérer un petit coup. Mais je vais devoir en tirer un petit nouveau. Et puis, franchement, on pensait avoir des games hardcore, je sais pas quoi. Franchement, ouais, ça va. Là, les games sont agréables. Les games de relancer, là. J'ai envie de jouer. Très, très cool à jouer. Je dois jouer la prochaine game avec un sniper et un pistolet. C'est bien, ça. C'est cool, ça, en vrai. Pas mal, ça. Mais j'ai pas de classe snipe. Il y a Choc qui est déjà sur le dos. Est-ce que je peux essayer de viser l'oreille de ton casque? Attends, mon ami, si je touche, ça te fait pas mal. Oh,
Ça m'a pas touché. T'as réussi? Ça a touché le casque. Ça m'a pas touché le visage. Ça a touché le casque. Ça m'a pas touché le visage. J'ai entendu ici. Eh oui, monsieur. Ok, moi je tape pas le même shooting game. Tellement se préparer à ça, messieurs. Ne leur donnons pas plus d'attention. Oh, mais la classe qu'il a quand même. Regardez-le. T'as déjà utilisé une arme dans ta vie? Ouais. Ok. Pourquoi? Ah, par rapport à l'œil du viseur, machin. Mais frérot, c'est parce que je suis pro sur Warzone que je vais aller te buter. Je sais pas quoi dire. Moi, là, on va au stand de tir. Pour moi, t'es le mec qu'on attend, quoi. T'as déjà été au stand de tir d'ailleurs? On va où, les amis? Jamais, frérot. C'est toi le lead? Pas de ouf. Mais écoute, pourquoi on lui fait pas ça? On se fait une après-midi stand de tir. Ah, j'ai jamais fait, les gars. Moi, j'ai tiré au Deagle, ça m'a choqué, gros. Je vois plus Deagle. Mec, il doit y avoir une sorte de recul qui t'arrache le poignet. Moi, c'est plus avec les automatiques que j'aimerais bien tester là. Moi, j'ai pas osé tester la carte. En fait, Max, c'était mon monteur, la musclé, BG, machin. Bah, lui, il a testé. J'ai vu le recul que ça faisait alors qu'il est giga musclé, etc. J'étais en mode, oula. On va peut-être pas faire. Monsieur le V12 et tout, il tire aux barrettes et tout. Genre, ça doit être quand même très, très impressionnant. Après, V12, il a les trappes pour, gros. Ouais, c'est vrai que V12, il est bien membré. Ok. Hein? Après, il l'a reçu sur un grand roue libre. Un total roue libre. Il est en haut. Break. À terre. Oh, c'était propre ce que t'as fait là, non, frérot. Bah oui, je suis tout en haut. Le petit tapis. Pam, 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 pam. Ça a rushé, les gars. Au contact, au contact. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ok, je suis avec toi. Il est à terre. C'est rivé. Je garde la visu, je te mets une petite fumée. Non. Ne vous inquiétez pas, les gars. J'ai la situation en main. GG. Non, c'est bon. Entrez. Il rentre. Et c'est un noob. Mais il reste deux plots, les gars. Un bouclier et un autre. J'ai Gotha. Let's go! Là, exactement, ils sont beaucoup. Ok, j'en ai mis un ça down. Quand même, hein. Je suis safe. Un down. Normalement, t'es safe. J'ai la hauteur avec une AK. J'arrive. Je crois que t'es allé en plein milieu d'eux. Aïe. Wouah, sa mère à ma gauche. À terre ici, si tu peux le finir. Okay, boys. Il y en a open, je vous ping. C'est les mêmes que tout à l'heure. Mais. Ok, marre. Team wipe sur moi. Team tire de loin. T'as fui, les gars. Touché ouais. à terre. Confirme. Let's go, c'est kill. Allez, les gars, on trace à fond. Il faut. Sur la tour. Touché, break. Étage, il saute. Touché. Je vais prendre le ballon avec Gotha. Oh non, les gars. On arrive en ballon, on va prendre la hauteur. Ça couvre trop bien, les gars. Contact. Ouais, dans les... Je stand dans le bat. Un devant vous, toi, à terre. Il va être à terre. Ok, c'est à terre, t'en as deux à terre sur toi et l'autre il est dans le bat, je les stun. La cible c'est une team de tryhard, d'accord. Et ils sont en train de full tracer. Oh, c'est mon moment. Ça a l'air de vraiment tryhard. Frappe à dispersion sur moi, je pense que je suis mort. Radez toutes les frappes qui tombent, les gars. J'arrive avec Radez, les gars, regardez toutes les frappes qui tombent. Hein. Tout ça pour le Lord. Les gars. Ah. Oh, c'est bon. Oh, ouais. je suis à terre. Shit. Oh non, il y en a un qui m'a fini loin, putain. Va aider Gotha. Va aider Gotha. Sur moi. Puis tu lui, GG, ranime-moi. Ranime Gotha. Là, tu vois, t'as très bien suivi, frérot. Et l'école de Zach, hein. T'as vu, il a autant insisté, j'avoue, je suis pas venu à l'heure. Hein. Prends l'argent, tu vas ranimer les deux. Ok. Je peux tomber sur mon loot, je pense. Hein. Y'en a un sur moi là. Doc, y'a un mec qui avance là. Y'en a un en face de moi. J'ai absolument nous tuer, gros. Il m'a mis à terre, il est touché. Il est seul, hein. Ouais, il est seul, mais il va me finir. J'ai touché suffisamment là. Attends, faut que tu me ranimes, j'ai crevé. Je suis mort, il est au zéro. Ah, je l'ai tellement bien joué en plus. Oh, qu'est-ce qu'ils sont relous, sérieux. Oh, dommage, c'est un HP. T'as vu ce qu'il m'a mis, lui, oh, ou pas non. Ça, là, c'est dommage. Hein. Très vraiment, ils ont attendu un nombre de temps. Hey, j'ai kiffé ma game, merci pour le snipe. Hein. Je vois le chat, il commence à voter pour moi, j'ai que 4 kills, mais j'ai 3000 de dégâts, quoi, tu vois. Donc, en fait, je me suis fait voler un paquet de kills, quoi. Expliquez le chat, essayez, hein, comme on le dit à chaque fois, d'expliquer après pourquoi vous mettez un tel en tête. On n'a pas eu de chance, parce que chaud, en fait, j'ai demandé si je pouvais reprendre mes classes. On m'a rien dit, donc moi, je suis à reprendre mes classes, et toi, t'as cru que j'étais encore en l'air alors que j'étais à reprendre mes classes, tu vois. Qu'est-ce que t'entends par reprendre tes classes? En fait, mes classes, elles étaient ramassées au sol. Ah, mais t'es pas revenu sur le loadout qui était déjà fait? Non, lui va sur son cadavre. En fait, t'es retourné sur ton loadout, ouais. mais on pouvait pas traverser. Ouais, mais en fait, moi j'ai demandé est-ce que je peux reprendre mes classes, y'a pas eu de réponse. Et puis après, et là c'est le coup, on s'est mal compris. T'as cru que j'étais encore en l'air, tu m'as dit viens, on y va derrière. Et moi j'étais ah bah poteau. Il y avait un largot d'équipement qui venait de tomber pile en zone, tu vois. Donc t'aurais pu tomber là, safe, là. On aurait été deux safe. Pour le coup, c'est juste un miss de communication, tu vois. Je dis pas que t'as eu tort ou que j'ai eu tort, mais je pense que ça va juste un miss de communication. Le endgame, vraiment, moi j'avoue que si j'ai un reproche à me faire, j'ai perdu le dernier duel. Enfin, je m'attendais pas à un mec gros, qui tire bien. Un aussi gros gars, ouais. Je pense qu'ils sont pas là par hasard. En tout cas, après, quand on était sur la POV, il y en a un des deux là qui faisait full emote avec un truc, un feu d'artifice. Je savais même pas qu'il y avait ça dans le jeu. Bizarrement, ça coïncide quand je voyais le retour qui était là sur mon écran. En gros, c'est le moment où je dis à Dwag, Dwag, je vais cross. En fait, c'est des mecs. C'est il a gagné son duel, j'ai regardé. C'est le moment où je suis en train de cross le truc. Donc, c'est des mecs qui sont sur le live. Je suis entièrement d'accord que c'est des gros mange-merde. C'est pas facile, hein. Je sais pas comment vous avez fait dans le chat pour faire un choix. Qu'est-ce qu'on fait quand on vote? C'est chaud. C'est avec vraiment mal au cœur. Et le public, t'as voté toi, chaud. Alors, je sais pas. Quoi? Revoyons les pourcentages. Le public, t'es à 33, Zach 29, je suis à 23, et toi que 5, regarde. Ah, oh, je suis à 39, moi 32. Zach, qui du coup se retrouve à 2 points de fautif, tout comme moi.
le goulag il a été. Bonus, let's go. Tu n'es pas fautif et tous les autres joueurs doivent t'offrir 5 subs chacun. Quoi? Vite ta mère. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vrai ou pas? C'est le boss. Approche du retour pour voir. Bravo. 5 subs par personne. Et en plus, il retire son point de fautif. Wow. C'est le jackpot pour Zach Nani. Moi, si je veux être très honnête pour la stratégie top 1, faut que Cho il arrête d'être tête brûlée comme ça. Pour le coup, ça va encore. J'ai déjà joué avec Cho et il joue pas trop solo là. Franchement, gros, je vais être avec toi qui ça joue pas 1000 euros à gagner ou à perdre, des bonus, des malus. Envoie des colons, saute. Vrai ou pas, Gotha? Vas-y, il y a que toi qui sera en mode. Ah ouais, les gars. Vas-y, feu, les gars. Non, je vous suis. Moi, je vous suis. Tu l'aimes bien, l'arme, Dwight? Ah ouais, franchement, incroyable. Tu vois, là, on est revenu saison 1. MP5, M4 pour Dwight. Tu sais que dans les Call of Duty, très souvent en compète, les meilleures armes, c'était genre les premières. C'est dingue. C'est celle que tu débloquais direct, tu vois. Tu t'en rappelles, Gotha, par exemple, BO1 où il y avait la K47 que j'ai débloqué un peu plus tard, mais t'avais la MP5K que t'avais direct, la M16 que t'avais direct, tu vois, plein de trucs comme ça. Et après, t'as le confort vu que tu commences le multi avec aussi. C'est ça, c'est ça. Parce que je me souviens de celui où il y avait Kino Der Toten, c'est le seul auquel j'ai joué. Ouais. Comme ça. Et ce qui était trop cool, t'avais un prestige qui augmentait. Et genre, c'était trop cool de farmer et d'avoir plein de fois le prestige et tout ça. Le prestige 6, 7, ouais, alors la petite icône était archi stylée. Mais ouais, les icônes de prestige, pour ceux que ça rappelle de Black Ops 5. Même ce côté où tu pouvais choisir ce que tu voulais garder, un atout. Tu t'en rappelles ou pas? Alors que là, actuellement, ils nous chient dessus, frérot. Genre, ça sert à rien. C'est trop drôle parce qu'il y avait un système de prestige qui était trop cool, qui fonctionnait de fou. Puis maintenant, t'as un système de prestige trop chelou. Hélico, sautez les gars, hélico, c'est notre cible. Crac. Ouais, j'en ai tué un. L'eau. Il reste à confirmer, je suppose. Ouf. Tu veux me toucher, Zach? Merde. Non, non, surtout, ne la déplace pas. Vite avant que le camion arrive. Vite avec le camion arrive. Oh, je suis désolé, mais... Mais gros, Zach, j'arrive pas, frère. Attends, je te bouge la voiture, Frère, ça... Il va me tuer, le camion, Zach. C'est moi qui vais derrière avec la voiture. Qu'est-ce que je te dis? Mais t'es con, quoi? Mais mec, tu te suites. Mais c'est pas possible, t'es trop si con. Non, ça marche pas. T'es fautif. T'es fautif. On va pas vers la voiture qui explose. T'es fautif. Ah, frérot, j'ai tellement eu peur pour ma vie. Mais ouais, je goûte. C'est qui a pété les plombs là? Il a pas eu de réponse. Bah, j'ai demandé, hein. Vous répondez pas, les gars, au bout d'un moment. Ok, nice, les gars, vas-y, go patrol avec les items. Ah, les gars, est-ce que c'est possible de vous demander de l'aide ou c'est chaud? Vas-y, on va arriver avec le ballon, qu'est-ce qui se passe? Oh, chaud, et allez dans son coin. J'adore chaud, on parle, tu vois, entre les games. Oh, y'a quelqu'un qui a sauté là, au-dessus, en. Là. Je vais des chauds, je vous laisse tous les deux. Toi, je t'ai dit le call, je vais essayer de le flanc. Bien. En face de nous, ils sont deux, un à terre. Je te le confirme, Coco. Il y en avait un autre en bas. Sniper, montagne. Il y a d'autres mecs. Ok, j'en ai fini un et j'en ai mis deux down. En fait, là, tu vas à l'opposé de Zach. C'est bon. Bien, ouais, Jack. On prend la. Non, vas-y, ma grand-mère. Je te vois chaud. Oh bah, c'est la crise sur moi. Tu vas mourir. J'ai mon goulag, je reviens. Et tu peux l'aider ou pas? Moi, je peux l'aider. Sur moi, mort. Nice, nice. Il est bien joué. À l'étage, t'as entendu? Ça a rien. Il y a des clés morts et tout. C'est ouf, frère. Okay, c'est le premier étage de où on est. Aïe, aïe, aïe. Ça descend avec bouclier. Il est break. Ouais, de loin. Non, ça recharge. Mais il m'a rechargé mon arme. Non, extérieur, déjà. Ah, je suis down. Ouais, il y a une autre team. C'est quoi ça? Et c'est te barrer chaud, bien. Il y a trop de monde ici. J'ai pas compris, gros. Mais je me suis fait tuer à travers le mur. Va direct là-dessus, triple rien. Go, vas-y. C'est ton moment. Oh non, ça tire. C'est pas grave. Non, mais il y a un angle. S'il se met bien contre le bon angle, plus à droite. Fautif. Ah oui, fautif sur ça. Non, mais il y a ça plus les autres. Ouais, il est juste à côté. Qu'on soit deux super joueurs ou quatre super ou six dans un putain d'escalier avec six paras, ouais, on n'aurait pas avancé plus vite. Hein. Ils avaient deux systèmes trophy, c'était l'enfer. Hein. Après, moi, franchement, je vais être honnête. Chaud, je pense que t'as tes torts. Mais après, au-delà du fait de tes torts, toi, que je veux bien, tu joues pas souvent, mais un kill 600 dégâts, frère. Mais frère, j'ai fait le garde du corps. Les trois fois où j'étais utile, c'est que je me suis pris des balles et ça vous a donné des positions et après, vous les avez allumées. Vas-y, faites voir le. Parce que moi, j'avoue que j'ai pas du tout suivi. Il y a des clés morts et tout. Regarde, à un moment, la clé mort, frère, elle m'a mis dans le zion. Regarde, la boum. T'as vu, quelqu'un a pété une clé mort et ça m'a mis dans le zion et je suis retourné le plaquer. Pourquoi là tu la pètes? Quel est l'intérêt? Parce qu'elle allait se déclencher à un moment donné. Elle était dans les marches, elle allait obligatoirement se déclencher. J'avoue que tu nous as fait une show. Mais en fait, ça les a mis dans la sauce eux. Parce qu'en fait, du coup, nous on était sur le camion, on prenait tout le loot. Et en fait, ça a fait un moment. Les gars, il y a moyen que vous ayez m'aider. Et en fait, on était giga loin de toi. Sauf qu'au moment où moi je monte le ballon et j'arrive vers toi, eux ils se font engage. Donc moi je leur dis, bah les gars, je vais déchaud parce que du coup là il est vraiment dans la sauce. Donc moi j'arrive avec toi, mais eux du coup ils ont dû faire un 2v. C'est juste ce play là parce qu'après on les tue. Zach il est toujours en clutch. Je monte dans ta voiture, je suis en mode, oh, vas-y, on va aller l'aider. Là, vois, tu te bats. Mais oui, autre fois tu bats. Les relents du solo player show. Non, mais il a clutch. Imagine, il clutche pas. Bah frérot, c'est un bon joueur, juste tu confiance en mon mec là. C'est vrai que ça t'a fait plaisir que je te fasse confiance, Zach. C'est pas de la confiance, c'était de l'égoïsme. Voter en votre âme et conscience, c'est assumé. Ah là là, chaud. Même le chat se rajoute. Chaud, il s'est passé quelque chose qui ne s'est pas passé de la soirée entière. Tu viens de te prendre un full vote. un full vote. Hein. Est-ce qu'on peut juste, au cas où, juste pour vérifier la régie? T'imagines quand même, t'es top killer, tu lead et tu prends les votes. Pour en régie, je répète, du coup, chaud pour la clé mort. Là, tu viens de prendre 5 votes. Allez, chaud. Aïe. Je dois me faire tirer dessus au nerf par les trois autres joueurs pendant la game. Mais voilà!
quelque chose qui divergit. Wow, Perds pas ton duel, frérot, reste concentré. Ah ouais, on va pas au goulag. On reprend des munitions. Tiens, Doc, on va recharger mon ref. Est-ce que tu veux qu'on fasse un test, Chaud? Même avec le pull de ma nouvelle collection. Chaud, tu veux qu'on teste sur le pull de ta nouvelle collection? Tirez les gars, tirez, faites-moi mal. Ah, les gars, on a une moyenne d'âge de... On y va, on relance les... En plus, du coup, il va nous rester... En pleine game, à tout moment, Chaud peut se prendre un coup de nerf, rater un move et être fautif pour la game d'après. C'est illimité ou c'est genre on a droit à un tir par game? Ah non, c'est illimité pendant toute la game. Vous voulez que je sois à 3 en premier? Tu veux lead? Ouais, de ouf, Zaka. Mais dans ce cas-là, si je lead, vous écoutez. Genre pour de vrai. On y va jusqu'au bout, quoi. Il n'y a pas de 2v2 foireux, quoi. Genre si à un moment, je vous dis, vous lâchez ce que vous faites, on se regroupe. Vous lâchez ce que vous faites, on se regroupe. Bien sûr. C'est bon? Ok, deal, super. Et genre si ce qu'on est en train de faire, c'est tirer sur nerf sur Chaud. C'est la seule exception. C'est la priorité totale. L'exception. Ils sont 3 personnes sur le toit. Chaud, fuis. Je suis mort. Quelqu'un peut m'aider ou pas? Tu vas comprendre. Ah ok, je viens de comprendre. Monsieur Gotha, tu es bien loin là. On avait dit quoi sur les calls, les gars? Chauffuie. Ah là là. Bah les gars, j'ai... Ok, donc c'est à dire que j'envoie un bâtiment. Oh mec, ça m'a trop surpris. T'es un putain d'enfoiré. Bon, en tout cas, franchement, c'était un plaisir de voir le call bien écouté. La voiture est partie. Ça se plaque, ça se plaque. Je pense pas qu'il a pu prendre la voiture. Ça se plaque, ça se plaque. Non, il y a un autre mec dans le bac. Ils sont deux, putain. Jouez ensemble. Allez, Chaud et Gotha, les deux là, comment? Chaud, je t'allais dire en bas. Tu m'as parlé? Bah oui, gros. Je te fais tous les calls depuis tout à l'heure. Zach, je crois que mon cerveau fonctionne plus. Franchement, j'ai fait tous les calls. Dwag, tu peux venir aider? Bien sûr. Rentre à l'intérieur. Tous les jours. Je rentre vers toi, Dwag. Prends ton temps, Gotha. Prends ton temps, plaque-toi. Ah, désolé. Je voulais absolument. Ah, là, un méchant ici. Méchant là. Vu Gotha, il va arriver en face. Pingué. T'es un monstre. Ouais, c'est lui. GG, Gotha, t'es un monstre. Oh, t'es un monstre! Et on retire sur Chouachin qui fait n'importe quoi. Mais frérot, qu'est-ce que tu dis? Non, cette game, tu fais n'importe quoi. T'es prêt? Regardez, regardez comme il tank. Regardez comme il tank! Bon, j'avoue, je suis bite et couteau là, Gotha, je viens de suivre, mais. Là, je suis peut-être mort. Bon, Gotha, j'avoue que là, pour le coup, je suis pas trop sûr. Tu veux que je vienne te prendre? Si tu arrives, ouais, mais je pense que je vais tomber avant. Mon pote. À moins que. Ah, la trace! Le super-héros! Il y en a des fois qui partent pas de cap, les gars, c'est Zach! Oh non, il y a la zone. Info sur mais j'ai pas de flag, frère. Ouais. Et à terre, il y avait au moins un deuxième ou un troisième gars. C'est bon, ils sont morts. Oh, moi, je suis à fond. Toi, t'es en train de bailler. Tu fais plus que moi le taf. Bah, en faisant 3 kills, ouais. Désolé, gros. Venez. Rapide. Venez. Chaud. J'ai call drone. Viens. Excuse-moi, frère. Moi, j'aime quand il s'impose. On te rejoint, Gotha. Ok, il y a beaucoup de gens en dessous de moi, les gars. Venez, on prend ça ouais, avant. Je suis trop joli. Les gars, venez, on prend ça. Ping orange, s'il vous plaît. Moi, je suis les ping vert. Ping orange. Ok, j'ai tué un gars. Il est où? Derrière moi, dans l'angle. J'ai suivi ton call, frérot. Je suis allé ping orange direct. Okay. Je l'ai. À terre mort. J'ai les gars. En face de toi, contact. Ouais, knock. On le met pas ça, quoi. Il est full TPC, je suis dans leur back. Autoréa, soit il est dans la maison, il se reste. Non, t'aurais pas dû descendre. Les gars, dépêche-toi de te barrer, toi, tu vas mourir. J'entends pas ce que tu. Ok, je devais pas descendre, c'est ça? Non. À ta droite, caillou. Dans le caillou, à ta droite. Droite. Je peux pas, je. Zach. T'as une Toréa? Allongé à droite dans le bush. Il touche sa mère, c'est lui, hein. Mort. Vas-y mon gars. T'as full thune. On pouvait à tout le monde. Genre c'est écrit, on va la gagner. Ça arrive, les gars, Réa, à qui? Je cover le bâtiment du ping vert, allez au shop. Là, ils sont deux. Ping orange, ils sont deux. Sniper à gauche. Crac. Oh chaud, t'es un fou gros. Il a plus de shield frérot. C'est il faut qu'on y aille. S'il est sans shield, t'as mille fois l'avantage, même avec une seule plaque. Il reste 7 équipes. Un deuxième qui monte, je le knock. Superbe. Je vais, je te finis. Ça va, vous en sortez? Il est crack. Je stun. Bien joué les gars. Mort direct lui. T'es rouge. Contact à moi, j'entends full pas. Ils sont juste derrière le mur et pour moi. C'est une vraie info. C'est break, c'est down. Ok, c'est double down, double down. Oh comment ils étaient nuls. Ouais. C'est sûr qu'ils sont dans le bâtiment devant. J'ai une frappe hurlée, c'est besoin. Attendez Dupont. Un instant s'il vous plaît. J'adore quand Zach il lead, c'est autre chose. Il y en a un, down. Je soutiens. Plus qu'une équipe, plus qu'un mec. Les gars, sniper ou couteau de lancer, venez, on prend tous la tiro, on wave dans les airs et on lui tire dessus. On lui fait un trick shot. Vers la rivière, non? Collé à un caillou, à côté de toi, le orange. Ah, je l'ai vu. Okay. Ouais, c'est ça, j'essaye aussi. Je le vois là, je lui tire pas dessus. Raté. Je tire pas dessus non plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il est para. Il va pas bien, le collègue. Let's go, les gars, bien joué, Zach. Lani! On l'a fait, les gars! Oui!
Zach Nani on the lead, Gotaga and Shoash. D'accord. Non, bien joué les gars. En vrai, NFT en vrai, très bonne gueule. Ouais, bah écoute, après quand c'est bien lit comme ça. Il y a rien à dire parce que Sho et Gota, ils ont fait vraiment la machine à laver. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai. Justement, j'étais content de pouvoir vous lead. Je l'ai pas fait durant la game. Je t'ai laissé jouer tranquille. Oula. Oh, tu l'as mis dans le front. Putain. On fait un petit top 1 les gars. C'est fait. En vrai, est-ce qu'on s'arrête pas sur la meilleure des notes là? Moi, je pense. Ah si. Franchement, je vais être honnête, j'avais perdu alors que j'ai fait quand même des belles games ce soir. J'aurais eu bien le seum. Pour moi, t'es quasi même MVP de la soirée, tu vois. Zach MVP large. Après voilà, en vrai, tout le monde a eu des bons moments ce soir, mais ce qui comptait, c'était de pas prendre un max de points de fautif. Et c'est vrai, si on en revient à ça, je suis encore une fois le grand perdant du fautif. Alors je rappelle les scores. 0 du côté de Gotaga, ça c'est clair et net. Soirée parfaite de ton côté. Pas parfaite, mais je connais le format. Et... disons que vu que je joue moins par rapport à cet animal, du coup je peux me contenir plus facilement. Justement, en parlant de l'animal, il s'en sort avec une seule voix, mais en plus ça a été la plus marquante. Une seule voix, mais violente. Hein. Ouais, la régie, ouais. 3, le public. C'est vrai. Zach Nani, un point aussi. Tu t'en sors quand même très bien, t'as failli prendre 2 points. Il y a eu 2 Zachs ce soir. Hein. Il y avait un Zach qui se cherchait, un Zach qui était un peu absent, à mourir peut-être un peu tôt. Écoute, pour moi, t'es dur. Et puis ensuite, il y a eu le... Moi, pour moi, sa soirée a commencé au moment où il a fait. Ranime-moi, je t'assure. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu un avant. C'est vrai. Il y a eu un avant. C'est vrai, c'est vrai. Depuis là, frère, il était en boulot. En tout cas, ça me fait super plaisir. Très bonne soirée. Trop le feu, franchement. Je reviens quand vous voulez, c'était top. J'ai kiffé. Bah, merci la famille. C'était trop lourd. On s'est amusé comme des fous. Du coup, moi, j'ai 2 voix. Et donc, on lui trouve un gage, les gars. Je suis la grosse merde. En plus, je repars avec 5 subs chacun. Je vous attends. Ah oui, c'est vrai. Je vais faire maintenant. Quelle bande de rois. Non, mais je sais pas, j'ai pas d'idée de gage. Si les gens ont des idées dans le chat ou vous, si vous avez des idées à Dwag. Ouais, je peux rajouter un petit 20 subs au MVP. Ouais. Oh là là. Qui est le MVP? Moi, je dirais c'est Zach. Oh, t'es généreux. Allez, 50. Allez, 50. Oh là là, le roi. Ah, c'est bon, 50. Ça reste pas vrai. C'est 25, je vais pas te mentir, je m'en tirais trop bien. J'allais rentrer avec le sourire. Très actif sur Twitch en ce moment. Pensez à aller checker sa chaîne. Autant il y a des fois où on voyait plus trop. C'est vrai que j'ai fait la fraude pendant longtemps, mais depuis un an et demi, pas du tout. Entre les émissions préparées plateau, le petit featuring avec Bouscapé. Avec Bouscapé, c'est moi, je les ai contactés. Ah, c'est toi? Putain, ouais, je leur ai dit, je connais pas de rappeur, ça vous dit, vous me ramenez des rappeurs et moi, à côté, je vous. Trop stylé. Pour le prochain, on est en train de voir, je crois que ce sera peut-être Rimka, tu vois, mais comme ça. On parle beaucoup de la chaîne de Zach, mais il y a aussi celle de Shoach, le roi Sho. Il faut checker parce que en ce moment, lui aussi, il y est souvent en live, quasiment tous les jours. Ah, moi, je me bute, gros, depuis 2 ans. Je suis content, ça suit bien et voilà. J'ai vu, il y a beaucoup de soutien sur la chaîne. Ouais. Toujours aux alentours de 20 000 subs et tout, d'une vraie. Exceptionnel. Ouais. Un vrai soutien partout, de l'engouement, que je fasse de la merde ou que je me démerde super bien. Les gens sont toujours là, tu vois, donc je suis ravi. Moi, je passe ma meilleure vie et grâce aux gens, donc merci beaucoup. J'ai vu, comme je dis, physiquement, là, le globe est en cours. Ouais, incroyable. Hein. Cyril, qu'on salue, j'ai embauché un cuisinier. J'ai passé 430 commandes l'année dernière en 2021 sur Uber Eats. Honnête. En termes de budget, je me suis dit, c'est 1000 fois plus intéressant d'embaucher un cuisinier en consigne. Je lui demande d'aller acheter les produits locaux, tu vois, chez le petit agriculteur, tout ça, chez la fermière, machin. Et ce qui fait que j'ai des putains de produits et tout. Et là, en un mois, je crois que j'ai perdu 4-5 kilos juste en mangeant bien, en faisant zéro sport, tu vois. C'est un tout, franchement. Aux toilettes, sommeil et bouffe, c'est 3 mois. Ah, mais c'est un truc de malade, frérot. Il y a 3 ans, je l'avais dit à Gotha, je lui ai dit, prends-toi un cuisinier. Non, mais en fait, je remets toujours au lendemain et à un moment, ouais, il va falloir que je prenne un contact. Mais, hop. Mais Sho, il a juste. Moi, mais c'est ça que je recrute, il a juste posté un tweet. Mais mec, j'ai juste mis un tweet, après, je l'ai joué Top Chef, tu vois. J'ai fait des entretiens visuels et après, j'en ai fait venir 3 à la maison. Un le lundi, mardi, mercredi. Ils devaient faire chacun le même plat. C'est un. Alors, je vais le prononcer mal exprès. Un aksoa. C'est du veau avec des patates et tout. Et en gros, je leur demandais de préparer ça avec leur spécialité. Donc, l'aksoa, c'est un plat de chez moi, donc je connaissais et tout. Je pouvais juger. Et leur spécialité, si ça plaisait à moi et la copine, let's go, tu vois. C'est un plat basque? Ouais. Ouais, je connais. J'espère que vous avez kiffé cette soirée, les amis. Ouais. Nous, on s'est merci fait très deux. Plaisir. C'est vrai que c'est tout chaud de vous être rendu disponible. C'est un désolé, lundi ça un a duré longtemps parce que j'avoue que eux, ça se voit, c'était lefto. Non, mais si vous avez kiffé, c'est vrai que c'est un lundi plus simple que d'habitude entre les outplays où voilà, forcément ça demande une autre orga ou open world ou toutes les émissions qu'on fait. C'est vrai que là, c'est simple. Alors, c'est spécial. Et qu'il y avait coup, c'est une ambiance délétère justement parce qu'il y a ce côté où genre on est trop amis, petit pouvoir de l'amitié in-game, hors-game. Ce côté où on est en mode, on a nos trucs, on est là, Koh-Lanta, Zach. Tu regardes les noms, tu sais pas qui voter, tu dois faire un choix. Je cherche des stratégies. C'est spécial, vous nous direz les gars, que ce soit sur YouTube ou justement sur Twitter et tout, vos retours si vous avez bien aimé ou pas. On s'adapte en conséquence. Encore merci les gars de vous être rendus disponibles. Avec grand plaisir. On s'en fera une avec King Titoon à un moment. Quand tu veux. Quand tu veux, je suis là, il n'y a pas de problème. J'ai une idée d'amélioration par exemple, quand il y a égalité, c'est plus la régie qui décide, mais c'est aléatoire entre les mecs égalité. Ce qui fait que tu peux strater pour essayer de choper une égalité de par le bluff. Imaginons à un moment, je crois qu'il y avait un truc où tu disais, je sais pas pour qui voter et je voulais te bluffer. Frérot, t'es en train de... il est mort, il t'écoute même plus. Il a envie. Là, je fais l'acte de présence. Je me suis pas rendu compte parce qu'il avait l'air quand même très à l'écoute. Il est mort. Il a son train dans 3 heures. Merci, j'allais fatigué.
critiquer pendant 2 minutes pour rien. Mais tu les laisses tranquille là. Non, tu veux ton live, bordel, fais chier. Bah. On relance à chaque fois. Les gens, on fait des bisous. On vous dit à la prochaine pour un nouveau live. Merci, merci les gars. Show. Merci Zach, merci les ultras, merci tout le monde. Des bisous, les ultras. Et à la prochaine, tchou tchou. Il veut savoir là.